Pareil, vous allez pas être déçu. Hein. J'ai arraché une touche de mon clavier, littéralement quoi. Enfin, sérieux, en quelle année? Bah franchement, moi je pense 2024. Genre 7-10. Enfin 2023-2024 quoi tu vois. Sur le 7-10 je pense que... c'est juste pris en fait sur le 7-10 quoi. Je vois pas comment ça peut nous échapper en vrai. Si je fais, moi j'en offre 200 si je le fais moi aussi. Bah en fait à la base je m'en battais les couilles mais il y a tellement de gens qui m'ont dit qu'il y avait des coins craignos que du coup je fais grave gaffe où j'ai pris mon motel. Du coup je l'ai pris dans le quartier de Venice Beach quoi. Du coup ça m'a coûté une blinde pour un truc pas ouf mais c'est pas grave quoi. Au moins c'est bien placé au moins. Au moins c'est bien placé au moins. De sensu, je pense en vrai. Très dommage, j'ai pas trouvé de. J'ai pas trouvé de boiler déjà. J'ai pas trouvé de void en vrai. Ça se passe pour faire ton crossfit en public. Bah, bien sûr. Évidemment. Je pense que je garde canonnier quand même en vrai. J'hésite en vrai. Oh fuck allez. Pourquoi est-ce flex? Stoneplate au moins quoi qu'il arrive. J'avais le meilleur item de la méta, mais ça reste toujours quelque chose d'assez flex quoi pour le coup. Mais c'est quoi ces shops de merde? En vrai, vous savez, je peux entrer René comment ce coup-ci? Ouais, ils font pas du rêve mes shops là, bordel! En fait, je sais même pas si je veux le Jinx, pour moi elle porte juste le stuff quoi tu vois. Pour le coup. J'ai quand même l'acheter en vrai je pense. Mais bon, ils disent qu'on veut pas jouer Jinx. Là, on est d'accord, j'ai zéro solution de compo là. Vas-y, on avance, on verra. On avance avec la front brawler.
Ouais, fait le taf, je suis d'accord. Genre, en vrai, si je peux l'avoir deux, je la prends, je pense, non? Juste, elle donne vraiment 0,0 direction, c'est juste ça. Après, on peut jouer à Félios, hein, ça a été up, hein. Dommage. Je m'étais chauffé, tu vois, après avoir mal parlé d'elle. Je préfère Deathblade, du coup. Si je joue Gunner, ça vaut pas le coup. Je vais vendre les Orianas, on s'en tape. Oh, lui et sa meilleure vie, mettre corbeau sur son arbre penché. Perché. Perché et penché. Oh, le Graves Edge of Night, bordel. Après, il a pas rogue en fait. Attends, moi j'ai Talia sur le board. Ah putain, j'avais pré-push, j'avais zappé. My bad. Ah, my gros bad là en fait là. Ah putain, my gros bad là non? Non, ouais, ça le fait, tranquille. Bon, en vrai, ça a rentré une synergie, c'était pas la pire en vrai pour le coup. Ramettre corbeau, terrible. Non, jamais j'ai un petit roll maintenant, c'est mort en vrai. Essayez de ne pas me ralentir. C'est Echo, je pense. Hein. Echo, il rentre double synergie, c'est banger en vrai. C'est pour Silco ça les amis hein. Ok, j'y crois en vrai là. Il peut se passer des choses. En gros, on joue Silco à Félios en vrai. Ah oui, d'accord, c'est l'album complet. Ouais, non, on va se calmer quand même. On va se calmer quand même, c'est sympa, mais. Bon, du coup, fuck Jean. Parce que là, on peut faire 40, je pense en vrai. Je pense que si on fait 40, c'est bien, ouais. Genre, si y a une box de gold de 6, je peux juste vendre Electon et faire 6 en fait. Enfin, faire 40 du coup. Bon, dommage. Ah, par contre, j'ai vraiment pas envie de faire. V du protecteur. Bon, sinon j'ai Kaisa avec Shojin en vrai. En vrai. En vrai. Je vais garder Jinx pour ce fight au moins. Ça se quoi l'arma team? Bah écoute, ça se passe très très bien. Pas mal de taf. Regardez Blue Silco et GS. Non, le plan de jeu a changé, les gars. J'ai trouvé Kaïssa alors que j'ai un Shogat 2. Le plan de jeu vient de voler en éclat, les amis. Là. Pour notre plus grand plaisir, là. On va jouer Void, je pense. Bon, on va jouer Kaïssa carry. Mais du coup, ouais, j'aurais pas de spat Void. Je défends, ouais. Si là, ton sourire talk. Je souris toujours en vrai. Je suis pas souris plus que d'habitude, là, pour le coup. Restez une version que de hit, vas-y avec une Kaïssa 3. Avec là, je vais faire Kaïssa 3 en ton honneur, tu m'as chauffé. Mais je le pad! Voilà ce que je fais!
Je le Ah, c'est banne! nul, putain, ce que j'ai là. Merci beaucoup, Toto. Merci beaucoup pour les 2 mois d'abonnement, mec. Je peux avoir pitié, mais pas tant. Deux Kaïssa, allô? J'aimerais avoir un Malzahar avant de trop avancer dans la game, en fait, là. Faut juste que ça aille, hein. Oh la vache. Ok. Très bien. J'imaginais qu'il voulait jouer Void, il devait être dégoûté. Tété. C'est Vilteo, ça va? Merci encore Toto pour les 2 mois d'abonnement. Excusez-moi, je suis concentré sur cette transition d'anthologie, quoi. Un mot sur ton idole Pascal Pro. C'est Vilti qui est dans la sauce pour un parallèle douteux. Ah, j'ai pas suivi, j'avoue, honnêtement. J'ai été très occupé ces 4 derniers jours. J'ai juste suivi Web Monaco hier, malheureusement j'aurais pas dû. Ah la 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 langue, ah la 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 langue, 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 langue. Ah la 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 langue. Heure. Ah il est. Il nous surprend là toujours, quoi. Toujours des takes. Des takes douteuses, quoi. Mais comme au foot, cela dit. Allez, moi j'ai une théorie, hein. Moi j'ai une théorie sur Pascal Pro, quoi. Genre, théorie numéro 1. Genre, soit il n'existe pas, tu vois, et c'est une IA qui est faite pour trigger, tu vois. Théorie numéro 2. Genre, je le soupçonne vraiment d'être un giga troll, tu vois, genre. J'ai vraiment ce... J'ai ce soupçon, tu vois. J'ai vraiment ce soupçon, tu vois. Non mais c'est vrai, non, je soupçonne moi aussi de full troll, hein, il n'a rien à battre. Genre je soupçonne ça aussi perso. Genre parce qu'à chaque fois qu'il dit des horreurs, j'ai l'impression qu'il sourit. À chaque fois. Putain, quoi. Je te jure, bah. Oh là là, quoi. Don't worry. D'ailleurs elle est bien. Oh putain, c'est vrai que j'ai pas vu. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que du coup la série Tapis elle est bien ou pas? Moi je voulais pas la regarder. Parce que... Tapis était pas chaud, tu vois, pour la série, tu vois, mais bon, comme j'ai eu que tout le monde l'avait regardé, mais c'est bon. Tu l'as regardé aussi finalement. Genre, elle est bien ou pas? Genre, est-ce que ça vaut le coup? Tu peux voir le snap? Non. Est-ce qu'elle est sympathique ou pas? Ah, c'est que c'est Fine, j'avais oublié la map. Ok, j'avais oublié que c'était le marché de Fine. Dans la vérité, faudrait prendre Death Dance pour Belle Bête, mais bon. Belle Bête Waiting Room. Après, j'ai pas la spade Void, hein, ça faut pas l'oublier, mais bon. Ah non, pour Fiora, sinon en vrai. Ouais, trop. Non mais il faudrait que je regarde en vrai. Peut-être dans la vue en vrai, hein, who knows. Tu.
Putain, je peux pas ça. J'ai envie de faire Ionic en fait. Bon, j'ai deux KIC, j'ai envie de la chercher. C'est la game sur... Si je trouve KIC2, c'est la game sur HP en fait. Là, me chauffez pas. Hein. Merde, putain, j'ai pas acheté de Cho'Gath. Après, je vais peut-être pas le rebuild en fait. Vu qu'il a stacké. Faudrait la Fiora là en fait. Là, genre, bon, évidemment. Ok, bon, bah, j'en ai pas spécialement pour KIC à la base pour être honnête, mais. J'en ai plus pour Fiora, mais. Bon, écoutez, hein. On n'a qu'une vie, hein. C'est ce que la première Gatsu à l'OM. Je sais pas, moi je suis saoulé là, je suis saoulé du foot là. Ça m'a saoulé cette séquence en vrai. J'ai regardé le match. Mais je sais pas, tu vois, à la fin j'avais moins le seum quand on a perdu. Tu t'en on a perdu, ok. Je crois que ça m'a saoulé quoi. Les deux dernières semaines, ça m'a pas donné envie de regarder, tu vois, genre, ouais. J'ai regardé, hein, mais. Mais bon, je suis pas spécialement d'avis quoi. Bon, c'est jamais ça. Je pense que c'est 7-10, mais en vrai, je pense. Hein. Je sais très bien, en vrai, pour le coup. Parce que j'ai senti. Attends, du coup, il y a Lyon à 13h, c'est ça? Non, mais en vrai. Tu vois, mais là, je suis arrivé à un stade où en fait, je suis plus hypé par les matchs de Lyon que de l'OM, quoi. Je suis arrivé à ce stade de ma vie, quoi. Attends, pourquoi faire une game sur HP là? Allez, petite game sur HP pour le plaisir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'étais vu à les matchs des U10 que de l'OL en ce moment. Je comprends. En vrai, on va faire la game sur HP, hein, j'y crois. Hein. Ça aurait été mieux d'avoir Fiora que Jarvan, mais bon. Après, j'avoue que j'ai pas la spat néant, quoi. Ça va être dur, et sans HP. Non, mais sans le Nashor, ça va être très dur, je pense. Faudra vraiment un Hyrule KIC à 3, quoi. Pour le coup. C'est extrêmement fort pour donner à Belbet plus tard, mais bon. Ouais, oui, d'ailleurs. Le problème, c'est que j'ai réexcité 1 pour l'instant, mais j'ai pas envie de push 7 quoi. Enfin, j'ai pas envie de roll au 7 là, mais bon. Ta-ta-ta. C'est la fin de la game sur HP, je crois. Dedge. Ouais, 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 ça manque de stuff sur les Geisha. Hein. J'ai pas de stuff dessus, malheureusement. C'est FF, quoi. J'ai officiellement monégasque. Quoi, ça y est, t'arrêtes l'OM, Gavin? Oh. On en a connu d'autres, Gavin. Ah, jouer l'armure, fait chier. Bon, le gant, il faudrait avoir une baguette par contre. Hein. Tu nous feras ta meilleure vidéo du plus gros burger. Mais je suis déçu, j'ai appris que Earth Attack c'était que à Las Vegas.
C'est le truc où il y a les serveuses sont déguisées en infirmières et te mettent des fessées si tu finis pas ton burger quoi. Donc je suis un peu déçu j'avoue, mais bon. Mais il y aura, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok pour des stories d'anthologie bien sûr. N'hésitez pas surtout les amis. What you gonna do? What you gonna do? They come for you. What you gonna do? What you gonna do? If you come for you. C'est enlevé de l'enfer. Trop c'est trop. Ouais bah je t'accord. Sale période Gavin, sale période. Sale période pour les vaillants supporters de l'OM que nous sommes quoi. What you gonna do if he come for you? Lyon qui joue le maintien et Brest qui joue le titre, le monde à l'envers. Ah, c'est vrai que c'est incroyable quoi. C'est quand même une grosse dinguerie quoi. C'est quand même une grosse dinguerie. Bon la game sur la cheveux on n'y était pas hein. Mais c'est normal en fait sur la spat. Je crois que j'ai craqué sur la spat en vrai. What you gonna do? What you gonna do if he come for you? Ouais, j'ai mon vieux Jarvan qui sert à rien surtout quoi. Bad boy, bad boy. Bon! Parce que j'ai pas eu Fiora, ça a l'air que ça m'a mis dans la sauce en vrai. Alors en vrai, du coup, le stuff peut aussi aller sur Aatrox en fait. Hein. Genre, le stuff est légendaire aussi. Par contre, y'a pas d'armure. Le stuff est légendaire en vrai. J'aurais pu finir de roll au cas où je trouve Bellbait. Du coup, il a bourreau avec Rek'Sai. En fait, voilà, il faut Fiora anyway. Son Jarvan il saute, hein. Fuck. Ouais, Jarvan, y'a pas de raison d'être dans la compo si vous voulez là, concrètement. Donc là, j'ai plein de trucs de mort. Je suis obligé de faire un Guardbreaker, je pense, sinon je vais passer d'item sur elle. C'est un peu le néant là, ouais, vous pouvez le dire, les amis. Là. Après, le Aatrox, c'est fou en vrai. Il a un stuff de malade mental, le Aatrox. Donc je sais pas ce que ça peut donner. Après, tant qu'il est 1, je pense que ça donnera pas grand chose. Mais sa Kaïsa, elle est tellement mieux que la mienne en vrai. C'est vrai que j'avais deux removers, j'ai pas fait gaffe. Bad boy, bad boy. Chicken Mado. Tarik c'est jamais ça. Sinon c'est juste un. Ah j'ai belle bête. Du coup là on doit enlever Malzahar. Ah, évidemment, Belle Bête c'est moins intéressant maintenant que j'ai mis le stuff sur Aatrox, mais bon, dans tout le cas, Aatrox en profite très très bien aussi. Bon, alors Fiora à 2 après. Là, ma Winco, ça devrait tirer à passer 9, mais j'ai jamais 9, non. Je vais QSS, tant pis. Hein. De toute façon, que Aatrox ou Belle Bête porte le stuff, Aatrox il est quand même dans de bonnes conditions, ça va, pour porter le stuff. Après, il a pas Colosse avec. T'as regardé la bagarre hier quelle bagarre?
Bad boys. What you gonna do? What you gonna do if he comes for you? Fiora 2. MMA. Non, j'avoue que je m'y suis jamais intéressé. Je connais même pas les règles. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a vraiment des règles? Non, mais oui, en théorie, je pense que si on passe 9, il faut virer C-Void. Mais en temps 8, je pense pas qu'on veuille les virer en vrai. Je sais pas. What you gonna do? What you gonna do if he come for you? C'est ma Kixel qui a vraiment pas assez de dégâts en fait, hein. C'est dinguerie quoi. Kixel elle a 0, après le grand pass il a un Shogat 3, ouais. C'est chaud en vrai. Mais Atrox il est en backline en train de faire des dingueries là par contre en vrai. Ouais, oh, Atrox. À l'overtime par contre Kixel là. Pardon. Oui, non, y'a pas de règle. Non mais y'a pas de. Ouais. Non mais t'as pas le droit de mettre des coups dans les couilles, j'imagine, au MMA. Dans les parties intimes. J'imagine t'as pas le droit, non. Bad boy, bad boy. Je crois que c'est BT belle bête. Wow, sinon c'est GSK ça, mais bon. Ah non, il va Archange, c'est peut-être mieux Archange en vrai finalement. Ouais, et doigt dans les yeux normal. T'as pas le droit de mordre aussi, j'imagine. Ni des coups aux yeux, ni des coups de genoux sur une personne à terre, je crois. Par contre, s'il est debout, y'a pas de problème. Bien sûr. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do if he come for you? Mort, c'est que pour Suarez. Oh putain. Franchement, Suarez, il serait de mon pays. La main qu'il fait en quart de finale de Coupe du Monde contre le Ghana. Genre, pour moi, ce serait un héros national, quoi, pour moi. Ce serait incroyable pour moi, genre. Vraiment incroyable, quoi. C'est clair qu'il avait ce qu'il fallait. Bah, c'est un sacrifice, quoi, tu vois. C'était beau, franchement. Ok, RFC c'est Wenger.
La question, c'est ce que j'arrive à passer 9. Vous avez vu comment on est pauvre ou pas? C'est à quoi néant sur la spat? C'est plus une transi si tu veux. Genre, je me suis retrouvé à jouer néant. Et après, c'est soit t'essayes de sécuriser un top 4 avec 6 néants, soit t'arrives à passer 9. Et t'arrives à rentrer des légendaires et tu cut néant quoi. Mais là ça m'a l'air quand même compliqué. Genre on pourrait vendre Vel'Koz, Cho'Gath, potentiellement Rek'Sai aussi. Garder que Belle Bête. Enfin non, on peut garder Rek'Sai en vrai. Garder. Je dirais Kassadin peut-être. Ah putain, il a le. Lui il a Zhonya sur sa Kai'Sa. Mais tu vois, la Moitox pour faire gagner, il faudrait qu'il soit 2 ce bâtard quoi. Parce que là je peux push mais j'aurais rien à rentrer quoi. Le timing est complètement sus. À moins qu'on décide de. Que de Vel'Koz. Kassadin. Limite, presque garder Kassadin, c'est peut-être mieux en vrai au final quoi. Purée Cho'Gath. Ouais, alors c'est chaud, je me suis affaibli, je crois. Je me suis affaibli, je crois, en vrai. Enfin, c'était surtout pour la Titana Belle Bête, mais comme elle passe prap à 2. Surtout qu'en plus, j'ai pris Hammer, mais du coup, sans. Enfin, j'ai pris Apollet Zone, mais. En fait, Apollet Zone, c'était le plus important parce que j'ai pas d'anti-heal, donc ça fait de l'anti-heal, mais bon. Donc en soi, c'est pas mal. Parce que là, je perdais aussi parce que j'avais 0 anti-heal. Donc en vrai juste avoir un apogée de zone ça rentabilise de ouf la transi qui passe. Wouh. Putain c'est vrai que j'ai remover, j'avais oublié, je suis un fist up. Ça fait deux fois que j'ai obligé les removers. Ça tente des plays suspects. Tranquille, tranquille. Il y a R en vrai. Ça on garde parce que ça donne Slayer. Tranquille, il y a R. Non, mais juste ça, c'est bien ça. T'as vu qu'il rentre que sorcier. Ouais, je. Ouais. Je sais pas. Le rayon il sert. Enfin, je sais pas. Le rayon avec le stuff que j'ai il sert pas là, non? Je pense pas, non. Là, il faudrait que j'ai le truc qui. Enfin, avec le. Le non-stuff que j'ai plutôt. Là, il faudrait le miniaturiseur quoi. Là, c'est Sudge. Ah, franchement. Ça va être sus un peu là je crois. Qui c'est qui recasse? Toc! Ah non c'est sus là je crois, non.